Oui? Oui? D'accord. Tu le vois comment tu le vois là? D'accord. Bah, c'est bien, c'est cool. Et on est où aujourd'hui? Et on est où là? Où c'est qu'on est? Non mais on est à quel parc? À quel parc on est? On est au parc de Montjuset. Ah voilà, à Clermont. Oui, et c'est là-bas, regarde, sur les barres jaunes que je suis montée. D'accord. Tout en haut là, sur la toute dernière, tout en haut. Et je l'ai vu, il est là-bas. Alors, il y a des trucs là-bas? Alors, on va y aller. Vous voulez pas rester un peu là avant d'y aller? Non. Non. Ça c'est minuscule, là-bas il y en a des... Bah, allez, déjà à ceux-là là-bas, là, ceux qu'on voit là-bas. Va avec ton frère, Lily. Allez, doucement, doucement. Sérieux. Il se marre. Hein. Bon, bah nous, donc, comme disait Lucas, on est au parc Montjuset. Donc c'est un très joli parc en, dans le cœur de Clermont, sur une butte. Avec plein de petits jeux pour les enfants, des trucs comme ça. Pendant que Julia est au salon de tatouage, elle va se faire tatouer aujourd'hui. Donc comme elle en a bien pour 1h30, 2h, voire plus, bah moi j'ai dit qu'on allait faire un petit tour au parc pour l'instant avec les enfants. Histoire qu'ils se dégourdissent les jambes. Voilà. On en profite, il fait beau, il fait pas très chaud mais il fait pas froid. Enfin, on est bien quoi. Voilà. Et vous, vous faites quoi aujourd'hui? Enfin, j'espère que vous avez beau temps chez vous. Vous pouvez sortir. Hein les enfants? C'est une arche, c'est pour faire joli. Quelqu'un peut te monter, mais monte pas par là. Monte par les marches là, regarde, t'as des marches là. Mais non, ça c'est trop dit. Vas-y, essaye de monter par les marches, Lucas. Je te dis, il y a des gens qui font l'entretien. Et moi, quand j'étais petit, là, ici dans la descente un peu plus bas, là, là. Lucas! Lucas! Tu m'écoutes? Viens. Il est là, il est pas parti bien loin. Là, quand j'étais petit, ici, là, dans la descente, là, là, il y avait deux grands toboggans. Mais ils les ont enlevés. C'est des toboggans qui descendaient jusqu'en bas? Ah, ils descendaient loin, ouais. Mais ils étaient dangereux. Oui, bah, quand j'étais petit, je te dis. Mais non. Bah, il faisait peur, non, pas vraiment, on peut pas dire qu'il faisait peur. Moi, j'aimerais bien courir dans la descente là. Bah, tu risques de te rétamer, mais bon. Mais j'adore. Ta soeur, elle va vouloir faire. Le problème, c'est que ta soeur va vouloir faire pareil et vous allez vous trouver en bas par terre. Ça va faire boum. Et bah, allez-y, jusqu'à l'arbre là, jusqu'au sapin là qui est devant. Et tombez pas. On ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Aïe aïe aïe. C'est marrant ça, hein. Y a pas des jeux en bas là?
me regarder? Le puits d'homme. Il est beau notre puits d'homme. C'est pas souvent qu'on le voit avec cet angle là. C'est quand qu'on pourra faire une. Je sais pas. C'est des baies, c'est des petites baies toxiques. Je sais pas si c'est pas du poil à gratter ça, j'en sais rien. Non, le poil à gratter c'est rouge et dedans il y a un trou. Ça c'est du poil à gratter. Si tu t'as l'air connaisseur. Un peu à l'école, j'en ai déjà vu. D'accord. Ah mais non, mais il est là-bas le puits d'homme, mais on est bête. On a cru que c'était ça là-bas derrière. Et en fait non, il est là-bas, regarde devant. C'était quoi là-bas? Bah je sais pas, un autre puits. Je me disais aussi, c'est bizarre, il a pas le même profil que d'habitude le puits d'homme. Oh là là, les Auvergnats qui sont même pas capables de reconnaître le puits d'homme. Bravo Lucas. Non, c'est bravo papa, parce que c'est moi qui l'ai dit. Parce qu'il était tout rond là, il était tout rond. Alors que d'habitude il est beau et triangle. Bah il a une bosse en fait le puits d'homme, il est bossu. Et ça là-bas c'est pas bossu du tout, c'est non. Bon. On doit être tout en haut du parc là. Non, on est tout en bas. Ça c'est la barrière qui délimite le parc sur le côté. Et donc le puits d'homme il est là-bas, tout en haut. Il est là-bas. Quoi? On est en train de remonter le parc. On va remonter. Parce que moi j'ai envie de jouer avec les autres jeux qui sont tout en haut. Ah d'accord. Mais on va y aller. Mais il y a un peu de chemin. Faut être courageux. Qu'est-ce qu'ils disent? L'éco pâturage. Ne pas nourrir les animaux. Il y a des animaux qui traînent dans le parc, tu vois, l'été, c'est ce que je te dis. Mais là, on est en hiver, donc ils y rentrent. Simplement. Des animaux comme quoi? Bah, ils ont dit des chevals, tout ça, apparemment. Des chevals, des renards. Des chevaux. On voit un bout du sapin. Tu vois là-bas, Ivy? Et maman, elle est par là-bas. Elle est au fond. Elle est vraiment loin, hein. Elle est loin, hein. Bah bon. C'est joli, clairement, vu comme ça. Elle est 2 km moins. Non. J'arrive. Fais attention de si ça d'accord les cas. Mais de toute façon je me rends rien. Il est à l'arrivée. Et Lucas il fait la barre de pompier. Ouais. Tu l'as fait vite en plus hein. C'est bien. Idée. Non. Ouais, au milieu si tu veux descendre. Par le milieu. Pas par là. Là c'est trop loin pour toi. Non, c'est trop loin pour toi. T'arriveras jamais. Descends par le trou au milieu. Descends par là. J'ai envie que je te retiens. Coucou Lily. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes? T'es pas malade? Non. Tu sais pas comment tu fais toi hein. Allez, un chat plus vite. Non, on va pas aller trop vite, c'est dangereux après. Oulala. Et Lucas, lui, pendant ce temps, il observe un garçon qui joue avec une voiture électrique. Et Lucas, il aimerait bien avoir ça. Quand j'ai une petite voiture, c'est pas mieux. Mais... On va à Carrefour. Je ne sais pas sur quoi vous vous êtes fini. D'ailleurs, tu as dit ce que j'étais en train de faire? Oui. Ils sont au courant? Tu as précisé vite fait. Je dis que pour l'instant, on allait se promener. Je vais pas te porter, Lily. Regarde, on est juste là. Allez, venez. Et les balles par le bas. C'est pas Lily? Bonjour tout le monde, tu peux le toucher. Je le referai voir plus tard, quand il sera plus sous cellophane. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est jeudi 27. Donc... Ne pas. Parce que sinon ça sera pas bon.
Donc du coup là on vient de rentrer, on est passé à Carrefour pour acheter 2-3 trucs parce que les enfants avaient envie de manger des burgers. Mais le Rémi n'avait plus de fromage, nous on n'avait pas assez de pain. Enfin bon, voilà du coup. Donc Lily est en train de toucher mon tatouage à travers le cellophane. C'est pas qu'à des crochets. Ouais, franchement je suis super contente, je vous le ferai voir plus tard parce que là il est emballé, donc voilà. C'est une grande pièce, hein. Je vous préviens, c'est pas un petit tatouage, hein. Ça me prend presque tout l'avant-bras. Il y a des symboliques dedans qui sont propres. Et il y a une coquinelle, une coquinelle. Faut pas tout dire. Et du coup, ouais, ça a pris à peu près 2 heures. Je suis ravie. Je le trouve vraiment très très joli. Lou qui me l'a fait de Elbor Noir. Franchement, c'est un salon privé sur Clermont. Je sais pour les Clermontoises ou celles qui sont dans la région. Si vous cherchez une tatoueuse, vous verrez le résultat. Mais si vous cherchez une tatoueuse qui a un dessin délicat, je vous la conseille. Mais vraiment, elle est super douce. Elle m'avait envoyé le dessin ce matin. Ça ne me convenait pas à 100%. Donc elle m'a tout modifié. Franchement, c'est super. Franchement, vraiment super, super, super. Je pense que ce n'est pas le... C'est le premier, mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Voilà, c'est dit. Donc sur ce, je vous laisse. On va aller préparer à manger. Il faudrait que j'aille faire aussi ma miniature. On est toutes floues. Parce que mon vlog est en ligne, mais sinon le vlog arrivera. Le vlog d'hier aura eu du retard et sera arrivé plus tard. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec ma petite chippie et on va aller faire les burgers. Tu vas m'aider, on va aller faire les burgers. Burger King. Non, pas Burger King. Oui, hier on a testé pour les enfants, on a mangé. Enfin, ils ont mangé Burger King. Et en fait, vous pouvez commander un burger sans pain. Non, du coup, ils ont eu un steak avec du. Comment ça s'appelle ? Du ketchup et ils étaient très contents. Voilà, donc ils ont pu manger Burger King, donc ils étaient ravis de nous. Voilà, donc on vous dit à tout à l'heure et on vous fait de gros bisous. Elle est en train de me faire tomber. Bisous. Derrière. C'est un document politique. Elle est tombée. Elle arrive pas à monter. Elle marche dessus en fait. Allez, au lit. Demain, Lucas. Annie. Je suis pas restée super longtemps, mais je dois aller travailler, ma belle. Mais là, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi, et moi, je dois aller travailler. Bon, on va leur dire bonne nuit. Bonne nuit. À demain. On se retrouve maintenant, il est 20h36, je vais aller monter mon vlog, j'ai une autre vidéo à faire aussi, et je vais aller faire surtout la miniature du vlog d'hier et d'avant-hier, enfin bon bref, vous comprendrez quand vous verrez ce vlog, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement. Avant d'aller faire ça, je voulais juste vous faire voir parce que je suis passée à day by day, je suis essoufflée, j'ai monté l'escalier en dodo. Je suis essoufflée, je suis pas sportive pour un sou. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'essaye d'améliorer. Faire du sport. Faudrait que je regarde pour. Ouais, faudrait que je regarde pour faire du sport, je ne sais pas quoi, mais il faudrait. De la natation, ou peut-être du fitness en salle, ou du yoga. Enfin, un truc, ça me ferait pas de mal parce que niveau endurance, on avait mieux. Et donc, du coup, j'étais en train de vous dire, je suis passée tout à l'heure, avant de faire mon tatouage, je suis passée invitée chez Day by Day avant qu'il ferme. Parce qu'elle fermait à 2h. Et du coup, je voulais vous en parler. J'étais déjà passée chez. C'est Elodie, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Elodie qui s'en occupe. Elle est adorable d'ailleurs. On a parlé cheveux parce que j'ai été prendre des shampoings. Et
elle m'a conseillé un coiffeur Sculpt à Clermont. Je sais pas si vous connaissez les Clermontoises. Moi je l'ai déjà en favori dans mon Instagram et tout, je suis la personne, c'est Priscilla je crois. Et je pense que le jour où je me décide à aller chez le coiffeur, j'irai là-bas. Voilà. Mais du coup, je voulais juste vous faire un petit topo de ce que j'ai pris comme shampoing. Donc il y en a un que je connais, parce que j'ai pris des Pachamaymay. Donc c'est des shampoings solides qui sont vegan, bio, slow cosmetics et compagnie, slow cosmetics qui sont faits en France. C'est une marque que moi personnellement j'aime beaucoup. J'ai pas du tout adhéré par contre à leur déodorant, mais les shampoings j'ai adoré. Les enfants la dernière fois je leur avais pris le Sweetie qui est super bien, il permet de démêler les cheveux pour les louloutes qui ont les cheveux avec des bouquettes, c'est super bien. Et là en fait je vais vous faire voir, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris le Kidou. Donc le Kidou, je crois que c'est celui-là. Ouais c'est ça. Donc le Kidou c'est celui-ci. Donc on va les mettre dans l'ordre. Donc le Kidou c'est celui-ci. Donc c'est pour les enfants. Donc en fait il a tendance à... Il a dedans un petit peu d'huile essentielle mais qui sont bonnes pour les enfants, qui sont répulsifs pour les poux. Voilà, donc du coup on va tester celui-là parce qu'il n'y avait plus le Sweetie. Pour moi j'ai pris le Glamourous. Voilà, le Glamourous du coup. Qui du coup est bien pour les cheveux secs. Donc moi ce que je ferai c'est que je pense que je commencerai par celui-là ou celui-là. Je me lave toujours les cheveux en deux fois. Et j'utiliserai celui-ci mais pas sur les racines, parce que comme j'ai les cheveux qui régressent un petit peu. Voilà, mais le problème c'est que comme j'ai les cheveux frisés, ils régressent mais ils ont tendance à avoir les pointes et le reste en fait sec. Voilà, donc du coup on fera ça. Et ça c'est plus pour Rémi qui a tendance à avoir un petit peu de pellicule, tout simplement. Voilà. Et moi aussi, de temps en temps, quand je suis stressée ou ouais, ça dépend des moments, mais en fait je me tape une dermite de séborrhoïque. Donc du coup on a le Notox ici. Et alors après je ne sais pas si c'est valable dans tous les day by day, mais sachez que c'est moins cher en fait que sur internet où ils sont plutôt à 13 euros. Donc quand on fait le calcul qu'on en prend 3. Quand il y a 3 euros de différence par shampoing, faites le calcul, vous en avez limite, vous en avez presque un gratuit quoi. Enfin voilà, vous gagnez plus de 9 euros sur les shampoings sans les frais de port. Donc du coup, bah, je vous en redirai des nouvelles, mais moi j'aime beaucoup avec l'équivalent d'un savon comme ça. Bon là, ça focus pas dessus, mais avec l'équivalent d'un savon comme ça, moi j'arrive à faire entre 6 à 8 mois. À peu près. Je vais essayer de vous focuser dessus parce que là ça ne veut pas. Voilà, donc avec l'équivalent d'un savon comme ça, comme j'étais en train de vous dire, moi j'arrive à tenir à peu près 6 mois on va dire pour les enfants avec, et si je suis toute seule dessus je tiens bien 9 mois avec, hein. Mais vraiment. Donc voilà, du coup je voulais juste vous parler de ça avant d'aller monter mon vlog. Et sinon pour en revenir à mon tatouage, je suis super contente. Lou a fait un travail mais super beau. Donc après j'irai me laver parce que là j'ai pas encore eu le temps, mais j'irai me laver après. Je vais aller faire mes petits montages, mais je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas si je vous expliquerai la symbolique un jour, mais déjà comme Lily vous l'a dit tout à l'heure, il y a une coccinelle dessus. Donc ceux qui me suivent savent très bien pourquoi il y a une coccinelle dessus. Mais du coup voilà, il me prend, là vous ne le voyez pas trop, mais il me prend une bonne partie de mon bras en fait. Donc je vais du coup mettre la caméra dans l'autre sens, vous le faire voir. Et je vous laisserai sur ces images et du coup je vous dis à demain. Ça me fait bizarre d'avoir quelque chose sur le bras en fait, c'est perturbant mais dans le bon sens en fait. Je suis tellement contente, ouais je suis super contente, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant et tout. Ça fait des années que je mûris la chose, ça fait plus de 10 ans quasiment que j'ai envie de me faire un tatouage, mais que je voulais vraiment ne pas faire ça à la légère, trouver la bonne tatoueuse ou le bon tatoueur pour avoir un feeling, pour avoir vraiment aimer son univers et toute sa... tout en fait. Et là je suis ravie. Voilà, donc on passe de l'autre côté et je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec les enfants et Rémi aujourd'hui, parce que je ne sais pas du tout ce qui a été filmé, je vais le découvrir au montage. Donc là à l'heure à laquelle je vous parle je sais pas du tout, je sais juste qu'ils sont partis, ils ont été se balader au parc Montjuset, mais c'est tout.
Voilà, et que Rémi m'a dit que Lily avait fait des trucs que si j'avais été là, j'aurais fait une crise cardiaque. Voilà, parce que je suis toujours très mère poule et il y a certaines choses, j'ai toujours peur qu'il se fasse mal. Donc et bah, comme j'étais pas là, cette louloute, elle en a profité. Voilà, donc du coup sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain et voilà, gros bisous.